Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Blood Bowl 2 avec les Breads dans le Stagiaire Trophy pour un nouveau match. On va affronter aujourd'hui Serge. Serge et ses morts-vivants, la Belgium Terror. Il a fait quelques beaux jets, hein. On a une ghoul ici 4 de force, 4 d'AG, une autre, un squelette 4 de force. Avec ses deux momies un peu badass, hein, esquivant force garde et un revenant qui est là pour buter des gens, ça risque d'être assez épique. Donc l'avantage c'est qu'il a une très très grosse TV en plus de nous. Ah, donc pouvoir se faire un peu plaise. Je pense qu'on va se prendre un petit pot de vin. Parce que pourquoi pas. On a combien de relances déjà? Je crois qu'on en a déjà pas mal des relances. Hein. Ouais, on a 3 des relances déjà, c'est bien. Donc oui, au niveau d'ailleurs de l'équipe, hein, on est parti sur une esquive pour Malice le Bon, assez standard, classique. On a donc un blodgeur et un ramasseur. Ça devrait nous aider un peu. Ouais, je me tâte. Soit je prends une deux serveuses, soit je prends une relance de plus ou un appôt de plus. Non, vu la violence qu'il y a en face quand même. Allez, je vais prendre un deuxième appôt. De toute façon, on sait que quand je prends des apothicaires, j'ai pas l'occasion de m'en servir. Et quand je prends des pots de vin, j'ai pas l'occasion de m'en servir. Donc si on n'a pas l'occasion de s'en servir, et eh ben ça sera tant mieux, c'est qu'on n'aura pas de blessure. Donc on va se dire go. Donc on a deux apothicaires, un pot de vin. Si on peut piétiner de la goule ou même des momies, pourquoi pas, on va pas se gêner. Alors, on joue chez lui du coup. Bon, a priori c'est un stade classique. Par contre, on gagne le toss. On va bien sûr prendre l'attaque. Très ensoleillé. Ok. Moins 1 à toutes les tentatives de passe. Pourquoi pas. Alors, le record est lancé. On a bien tout ce qu'il faut. Parfait. Il n'y a plus qu'à. Donc le Stagiaire Trophy, hein, comme je vous l'ai déjà dit, qui est organisé par Sœur Madness de la chaîne Sœur Madness Gaming Live, que je vous invite à aller voir, il y a les liens dans la description. Très 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 bonne chaîne. Donc c'est un tournoi qui est organisé avec des règles assez particulières, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 300 de TV, de 1300 pardon, de TV. Donc Evil Surge a eu plusieurs montées de niveau en plus avec des trucs qui coûtent cher, donc il est au taquet, il est à 1260. C'est pour ça qu'on a eu un inducement aussi important. De l'autre côté, on a deux niveaux. Rien de fifou donc. Surtout qu'il a, ouais, il a des bons jets quand même. Hein. Non, ça c'est de la force, je pense que c'est un simple sur les momies. Par contre, la goule de l'enfer là, pff, wow, la vache quoi. On n'a pas de tacle hein, de notre côté, donc autant dire que ça va être un peu compliqué. Enfin, compliqué. Non, toi tu vas aller derrière, pardon. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Et toi tu vas là. Voilà, ensuite. On va se protéger d'un blitz éventuel. Il a pas vraiment mis d'anti-support, je pense qu'on va tenter un blitz sur son revenant. Alors on va se garder un chevalier du coup pour ça. Hop. Et on va mettre de quoi protéger un peu les côtés de notre ramasseur. Voilà. Donc là on a 2D, là on a 2D, là on aura ce qu'il faut. C'est parti. On va tenter un blitz sur le revenant badass. Oh putain, il peut refaire son placement. Ok, bon bah du coup. Échec. Bon, au moins la balle tombe dans nos mains par contre. Donc c'est toujours ça de pris. Mais échec quand même. Il va se mettre loin de mes blocs, j'imagine. Peut-être empêcher un blitz sur son revenant. On verra. On va voir comment ça se gère. J'espère qu'il va pas mettre trop longtemps par contre parce que il est un peu tard et je suis un peu fatigué.
Comme il était un petit peu en retard, on commence le match un peu tard. Ok, la réception qui chie, ça c'est fait. Du coup, il a juste bougé un zombie là. Ok, pourquoi pas. Bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup prendre ce bloc qui passe. On va l'envoyer par là. On reste. Du coup, on va prendre ce bloc là plutôt que celui du zombie de l'autre côté. Hein. Là, par contre, on va l'envoyer un peu loin et on va avancer. Parfait. Une petite blessure pour commencer. Toujours ça de prix. Bon, ça régénère, mais. Au moins, on est bien. Du coup, on va aller par là avec lui. Du coup, ce qui est chiant, c'est qu'il faudrait que je me mette sur le bord là. Ce qui est un peu casse-couille. Ou alors, il faut que j'engage mon blitzer pour. Ouais. Ou j'en envoie un autre. Ouais. On va faire ce bloc. Qui ne donne rien. Hop. On reste. D'un autre côté, hein, mettre quelqu'un en contact de sac d'os avec ses quêtes de force, c'est un peu une idée de merde. Hein. Donc on va quand même tenter. On va mettre un paysan sur le côté. Madness, c'est pour toi. Hop. On va relativement le protéger, on va dire. Voilà. Hop. On poursuit. Ouh oui, alors ça c'est très très bon ça. Dos abîmé sur son tueur de gens là. J'aime et ça régénère pas en plus. Alors ça c'est très très cool. Du coup on va se replier là. Probablement se prendre un blitz du 4 de force, mais on n'est pas si mal. Allez, c'est parti, on tente un ramassage. On y arrive. Nickel. On va donc avancer, se placer à peu près là. Ici, j'ai bien envie d'aller foutre un petit peu la merde. Du coup, sur son dernier revenant. Et là, on va rester en cage à peu près espacée. Surtout que là, on a un pilier qui est au contact. Bon, bah, deux blessures, c'est un magnifique premier tour, hein, franchement. Surtout sur son Terror Steph là, qui était quand même. Plutôt énervé. Donc l'objectif hein, c'est de lui mettre des paysans dans les pattes et de l'énerver avec ça. Une stratégie tout à fait viable avec les... comment ils s'appellent ? Les Bretoniens. Ah ! Ouh, ça pique ! Non, ça va, c'est juste un sonnet. Parfait, Chobiti qui est sonné. Alors, où est-ce qu'il va après? Il va mettre un renfort là, ouais, c'est pas déconnant. On a déjà un surnombre de 2, mais par contre, en termes de force, hein, il a encore 2-5 de force, 2-4 de force. On est très loin d'être. Ah, ok, une armure qui casse aussi. C'est sonné. Du coup, on a un cadavre qui reste au milieu du chemin pour le bloquer. Il va faire quoi? Blitzer là ou juste poser sa garde? Ah non, il a déjà blitzé, pardon. Donc il pose sa garde ici, très bien. Bon, comment ils s'appellent? Eux là, merde, les blitzers, voilà, j'ai sous le nez en plus, pardon. Les blitzers ont intrépidité, hein, je rappelle, donc ils peuvent tout à fait gérer un 5 de force comme ça. Hein. Par exemple, on va essayer de faire un trou là, je pense. Intrépidité à 3+, ça passe. Wow, l'armure qui passe sur une momie, c'est la violence. Sonné. Ok, très bien. Très très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 dés là. J'aurais dû poursuivre ici pour faire un trou. J'ai un peu déconné. Mais c'est pas grave. On va faire un trou ailleurs. Hop, on poursuit là. Alors, on a la possibilité maintenant de venir foutre un petit peu la merde par ici. Ah, les zombies et les momies, hein, n'oublions pas qu'ils ont un mouvement de merde, donc en se mettant comme ça, je vais les obliger à faire des grands tours, ça va les faire chier.
Du coup, toi tu peux aller jusqu'où? 1, 2, 3, 4, à quoi ça? 5 de mouvement ce truc là, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. On peut quand même à peu près se répandre. On va donc s'infiltrer. Parce qu'après tout, on n'est pas là pour glander, n'est-ce pas? Donc ici j'ai un paquet. Du coup, on va quand même rester prudent. C'est pas la peine de faire n'importe quoi. Hop là. Voilà, ici. Oh merde, le con! Pourquoi j'ai bougé lui? Ouais, allez, on tente. On a 3 relances. Oh là là, alors là, ça c'est déjà la fatigue qui parle. Et merde. Bon bah c'est pas grave, on est quand même pas trop pas protégé, on a une cage un peu aérée on va dire. Très aérée, il a un trou là quand même hein, normalement. Ouais, il a un trou là avec un 4 de force. Ah là 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 là, ça pique, mais il préfère blitzer là, d'accord, ok, pourquoi pas. Il préfère se coller à la balle plutôt que blitzer la balle. Peut-être qu'il a peur d'engager ses ghouls. Je vais pas m'en plaindre. Quoi qu'il en soit, l'esquive de malice qui fait le job. Ça c'est pas grave, hein. Une momie collée à autant de chevaliers, elle peut tout à fait dégager. Hein. D'autant que là on va se relever là au prochain tour. Donc là il a un bloc qui passe sur Grotrel. Grotrel qui résiste. Cette d'armure qui résiste. Alors ici, il vient rajouter de la pression sur la balle, pourquoi pas. Et là, il vient rajouter de la pression par là, ok. Il avance pour éventuellement faire une passe. Je le trouve un peu confiant là pour le coup. Hein. Un peu confiant sur la récupération de balles, mais bon, après hein. Donc on fait les mouvements sans les esquives, avant de faire de la merde, disons-le clairement. Hop, toi tu vas revenir un peu par ici, genre plus ou moins en défense. Alors, maintenant la question c'est ici, on a combien de dés? On a déjà un dé, si on intrépide, on a deux dés, donc c'est plutôt propre. Je vais envoyer lui en renfort par là, pour avoir un bloc à deux dés là à terme. Et donc là l'idée c'est... L'intrépidité qui passe pas, c'est pas grave, un dé avec bloc, ça se prend. On le pousse par là, et on poursuit, donc on met un peu Malice en danger, hein, mais elle est là pour ça. Ici, on met un support. Et là, c'est le blitz. Hein. Blitz sur la goule. Elle a bloc. Nous, ce qu'on veut, c'est la repousser. Hop. On poursuit pas, bien sûr. Et on peut se tirer. Alors, du coup, elle peut aller jusqu'où cette goule? Partout. Hein. On va partir par là-bas. La goule à 4 de force, c'est là. Ouais, mais avancer, c'est un peu risqué quand même. Il peut ramener un renfort là, mais s'il veut blitzer ici, ça va être tendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, ça va quand même être un peu tendu. On va se placer de manière un peu aérée. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle peut faire de beau? Faudrait qu'elle esquive. Ouais. On va se placer ici. Et ici, on va faire ce bloc pour essayer d'aller se coller à la goule. Ça passe. Hop. Ici, on a un bloc à 2D. Enfin, même pas un bloc à 1D d'ailleurs.
même sur la goule, mais on va rester là juste pour le forcer à faire des gestes, il veut me dégager Madness le simple. Comme d'hab, hein, on est là pour jouer, hein, je pourrais stall, mais je veux marquer. Pas que j'oublie que je peux piétiner d'ailleurs, hein, mais on fera peut-être plutôt en défense. C'est juste une esquive à deux plus relançable, hein, c'est, ça a rien de très très fifou. Oh, ça rate! Oh, le double 1 qui fait mal aux fesses. Ah, ça, ça pique ça. Ça, ça pique bien ça. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va quand même prendre quelques blocs, hein, parce qu'on n'est pas non plus là pour être des bienfaiteurs de l'humanité, comme dirait l'autre. Donc on va prendre ce bloc, on va mettre la balle en sécurité. Ouais, quoi que non. Bah, je vais marquer ce tour-là si je peux. Si je fais pas de turnover à la con. On reste. Encore que j'aurais pu poursuivre. Ici, je pourrais aller où? Ouais, bof. J'ai potentiellement un bloc à 2D. On va tenter. Ça passe. Toujours pareil, hein, si on peut défoncer de la momie. On prend. On va aussi essayer de mettre une tatane sur la goule si on peut. Ici, on va commencer à rejoindre les copains. Parce que pourquoi pas. J'aurais préféré pouvoir bloquer un peu le chemin là, mais bon. Là, elle est tombée, donc... c'est quand même moins grave. Allez, on tape là. Ça tombe, parfait. On poursuit. Ah, si on pouvait se débarrasser d'une goule. Non, c'est juste un sonnet. Ok. J'ai pas blitz. Je pourrais grider et blitzer là. Sur ce petit zombie. Sinon j'ai quoi comme possibilité? Non, c'est de la merde. Ouais, y a un paquet à mettre, non, c'est bon. On va marquer. Hop. Ok, on ouvre le score. Avec Damned le Valeureux. Ok, on se place donc en défense. Alors on va pas mettre autant de mecs devant. Hein. Donc là on a un mec à 3, un mec à 0, un mec à 3, un mec à 0 et un mec à 0. Ok, donc les mecs à 3 ils vont dégager. Hein, on a des paysans qui ont pris un peu d'XP, on va essayer de les sauvegarder plus ou moins. Donc l'objectif ça va être d'empêcher ces ghouls de trop s'infiltrer, surtout la saloperie là. Pour ça, je pense qu'on va se faire un truc un petit peu, comment dire, atypique de ce genre-là. Puisque les mecs là, les paysans, s'ils les poussent, hein, il peut pas les poursuivre. Ce qui veut dire que même s'il blitz, il a moyen de se retrouver avec des zones de tacle un peu relou pour lui. Donc on va tester un truc comme ça pour voir. Avec lui derrière pour intercepter ce qu'il voudrait faire chier. Bon, on va se prendre une grosse fessée à l'avant, on s'en doute. Pour l'instant il fait toujours ensoleillé, ce qui est plutôt cool. Ok, il fait une attaque en ligne, comme on dit. Un blitz, hein. Ah, intéressant. Je pourrais aller sous la balle, mais c'est un peu tendu. Je pourrais faire de la place pour aller sous la balle. Alors mettons que j'arrive à repousser lui. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. GFI, GFI. Ok. Pourquoi pas. Il faudrait donc que je me place par là. Ok. Et qu'avec lui, j'arrive jusqu'ici et je blitz comme ça. Ouais, c'est merdique. Hein.
Donc du coup, on va se contenter de bloquer comme ça. On va foutre un autre paysan dans les pattes là. On va aller boucher le trou avec l'ami d'Amned du coup. Réétaler un peu notre défense. Histoire d'être pas complètement à poil, parce que là c'est clairement c'est pour tenter un vol de balle, mais on va être en très mauvaise position. Oh putain, peut-être pas à ce point-là en mauvaise position quand même. Ce serait cool. Merde, j'aurais bien voulu poursuivre. Mais c'est pas grave. Du coup, 2 GFI sans relance. Allez, c'est parti. Et ça passe. Parce que pourquoi pas. Et toi, on va te décaler d'une case par là. Je pourrais même aller foutre là, tiens d'ailleurs. Ouais mais non, là on va tomber assez facilement, donc il ramènera du renfort, donc c'est pas forcément utile. La réception qui rate, mais au moins on a une zone de tac sur la balle. Ça va l'obliger à faire des jets contre du bloc. Ok, il blitz direct avec sa goule à 4 de force, pas de subtilité, et ça rate. Parfait. Comme il nous a blitzé dans le mauvais sens. On est autour de la balle en fait. Il aurait dû faire le tour, nous blitzer en diagonale pour pouvoir au moins nous éloigner quoi. Ramassage à 4+, qui réussit, bien joué. C'était tendu ça. L'esquive derrière. Allez, l'esquive qui rate. Ouais, pareil, il aurait dû poursuivre là hein, pour mettre la pression. Aïe aïe aïe, ça sent le pâté. Alors là pour le coup, on va clairement s'engager. Hein. On n'a pas de raison de pas le faire. Est-ce qu'on peut aller jusque là? Oui, on peut aller jusque là avec lui. On peut même ramasser avec notre mec qui a dextérité. Alors j'aimerais bien faire de la place là, mais c'est un 1D, vu que j'ai envoyé lui devant. On est même presque à portée de TD. Hein. Donc on pourrait faire un blitz là, ou alors... ah, je peux faire un blitz là. Ah oui, mais il y a lui qui a garde, merde, donc ça ne marche pas. Ouais, bah tant pis, hein. On s'infiltre comme ça, pour l'instant. On tente le ramassage. On peut faire une transmission, donc normalement c'est pas une passe, donc le 13 ensoleillé ne joue pas. Bon, la goule peut aller partout, on va donc se barrer par là. Et tenter un GFI, et ça passe. Bon, bien joué de la part de Chobiti. Ouais, là clairement c'est le blitz, hein. Le blitz c'est vraiment le résultat d'engagement, c'est le pire truc qu'on peut avoir quoi. Une chandelle. J'ai fait un match ce week-end, un match amical, où je me suis pouffé 3 blitz dans la tronche, dans le même match quoi. Enfin, je peux vous dire qu'après ça, on est bien salé pour la suite quoi. Mais bon, faut pas qu'on se déconcentre, hein, on a 2-0, mais faut quand même qu'on arrive à tenir 5 tours.
Ok, juste un repoussé, comme il tape pas en diagonale. Gros trail est sauvé. Reste Grosslan qui doit prendre une tatane et Grosslan qui dégage. L'armure qui passe, c'est un sonné. Ok, bon bah ça va. Franchement, pour l'instant, cette équipe de Bretoniens, les 7 d'armure, c'est quand même la fête. Hein. Après, on l'a dit, hein, on a pris un deuxième apothicaire, l'objectif c'est qu'il nous serve pas. Hein. Ah, bah Grotrel, tu n'étais pas si sauvé. Une grosse momie te charge la tronche. Et c'est une relance, c'est sa première relance qu'il utilise, donc ça va. Hein. Ah, la châtaigne. Et c'est de nouveau un sonnet. Bon, bah, ça va. Franchement, ça va. Il a dû tout dépenser pour les faire tomber. La défense est très loin d'être à terre. Va falloir qu'on tienne maintenant une cagette. Mais déjà, il y a des cadavres sur le chemin, donc ça va le faire un peu chier. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà on a un bloc ici à prendre, on va en profiter pour se rapprocher un peu de l'action. La goule a 7 de mouvement, hein, donc et puis elle est obligée de rester protégée par les zombies et tout, donc elle n'ira pas forcément très loin. On pourrait ramener un renfort et taper sur la momie avec garde, mais ça commence à 9 d'armure ce truc, hein. C'est quand même pas ouf. On pourrait blitzer la goule à l'arrière par contre. Ça me plaît un peu mieux déjà. Hop, on va les renforcer ici. On va avancer un petit peu d'Amned pour venir foutre un petit peu la merde par là. Par ici. Hop, on resserre. Donc ici, un blitz avec bloc, c'est le premier qu'on fait, enfin c'est le premier bloc qu'on fait pour ce tour, pardon. Ça ne passe pas, mais on va pas relancer ça, hein, on s'en fout. On va se coller à la goule, parce qu'on est là pour lui faire faire des jets. Elle a pas bloc, hein, donc ça, même avec 4 de force, ça peut mal se passer. Ici on va taper ce petit zombie, ça tombe. On va le laisser coller. On reste par contre. Et ici, c'est des jets de merde. Donc on passe. Voilà. Petit tour simple, hein. On met une menace sur la balle, mais rien de fou. Juste pour lui faire faire des jets. Il a encore beaucoup de relances, malheureusement. Ça peut se cacher, ça, ou pas? Non, ça peut pas se cacher. Ça peut pas se cacher. Alors, il blitz avec la balle. Ok. Bah, double pot. Du coup, ça va. Ah, une petite blessure sur Violocarius, hein, qui prend une commotion, on s'en fout. Ah, il est pressé. Très très bien. Donc il se ressente par là. Ok, alors voyons voir comment il va gérer sa cage. Il a largement de quoi la faire, hein. Il a même de quoi faire un mur, mais le problème du mur c'est qu'on a eux derrière qui sont quand même en position de faire un peu chier. Le 4 de force sur la ligne, ok. Pourquoi pas. Donc là il a protégé l'arrière. Maintenant il va falloir protéger l'avant. N'oublions pas qu'ils ont pas mal de mouvements, hein. Les blitzers, ils peuvent tout à fait contourner. Hein. Ok, il vient foutre des gens dans le tas pour foutre un peu la merde. Oh, c'est un peu dommage, tiens. J'aurais avancé avec la momie là pour avoir une garde dans le coin. Plutôt que marquer un péon avec. Mais j'imagine qu'il voulait, ouais, il voulait rapprocher de la mêlée pour éventuellement s'en servir plus tard. Ok, ce qui veut dire qu'on se relève. Ici, on se relève ou pas? Peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'on pourrait se relever et bouger si on arrive à dégager lui. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a un blitz sur la balle, mais avec beaucoup de GFI quand même. C'est pas ouf.
Ici, on peut essayer de libérer quelqu'un pour aller, genre, marquer le revenant, l'obliger à faire des, à mettre des supports. Donc, le premier truc à faire déjà, c'est essayer de dégager celui-là. Parfait, ça passe. On poursuit pas. Hop. Du coup, on peut aller foutre lui là. Donc, eux, ils vont se prendre des tatanes, hein, mais là, ça veut dire qu'il va être obligé de taper avec ses momies plutôt qu'aller les emmener là où la garde pourrait faire chier. Bon. Lui, il a esquive en force, donc il pourrait tout à fait faire des trucs. Hein. Je dis pas le contraire. Lui, il peut aller nulle part. Alors, est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser contre un zombie? Je suis pas sûr. Il va marquer le squelette plutôt. Ici, on va aller mettre un peu de support. On peut taper là, du coup, maintenant. On repousse, c'est pas grave. On poursuit parce qu'on n'est pas là pour glander. Et là, du coup, voilà, deux mises de paquets pour éventuellement faire un blitz à un dé si l'intrépidité marche. C'est quand même un peu tendu. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se contenter de se mettre là. Voilà. Donc, là, on a une zone de tacle là, une zone de tacle là. Il va pas pouvoir blitzer avec ses momies, donc celui-là va rester. Lui par contre peut tomber. Mais normalement avec les zones de tacle on est bien. Il va probablement vouloir blitzer avec sa avec son 4 de force hein, sur Damned, mais on n'y peut pas grand-chose pour l'instant. Donc là on tape, on repousse. Ça me suffit. Je veux juste dégager lui. Et là on peut tenter quoi? Un blitz là. Pourquoi pas un blitz là? À mon avis, c'est ça le plus sûr. C'est un seul dé, voilà. Mais on peut aller se mettre au contact de la balle et du coup, on fait des anti-supports qui vont l'obliger soit à taper là avec lui, soit à faire des esquives. Bon, c'est de l'esquive à 2 plus relançable, mais il en a déjà raté une. Il a fait un double 1, donc je pense qu'il va hésiter à le faire. Voilà, il fait un jet, bon pas de chance, il fait un pot. Ça pouvait rater, hein. L'objectif de Blood Bowl, toujours pareil, hein, c'est de faire faire des jets à l'ennemi tout en faisant le minimum de jets vous-même. Ok, le Blitz avec le squelette à 4 de force. Qui passe pas. Mais il va pouvoir me repousser suffisamment pour faire un trou. Après, est-ce qu'il va courir tout seul avec sa goule devant? Je sais pas si elle peut marquer ce tour-là. C'est peut-être un peu tendu, hein. Là, il est en bout de course déjà, ouais, il peut pas marquer ce tour-là, du coup elle est seule. Hein. Même s'il fait des GFI, elle est seule. Il peut libérer un zombie, mais il fera pas de miracle. Ok, là il libère une momie. Qui fera pas de miracle non plus. Hein. Peut-être marquer celui-là. Ouais, voilà, marquer gentil G-Lead. On a Papillote hein, qui est disponible pour venir taquiner un peu les gens. Ah ouais, hein, esquive à 5 plus, hein, c'est tendu. Hein. Ok, il se concentre sur lui, ça me va. Il a oublié Papillote ou il voit qu'il peut rien y faire, je ne sais pas. Alors là, qu'est-ce qu'il veut faire? Tenter un bloc et un dé. Ok. On a lui qui est libéré. Je sais pas si ça servira, mais on va essayer de faire en sorte que. Il a bloqué un dé, c'est un pot. Du coup, on est libre aussi. Mais là, par contre, on n'ira pas très loin, je pense. Ok, donc ici, on se relève. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? On peut ramener un support là. C'est pas super utile. On peut faire 2 GFI pour amener un support sur la momie, ça me paraît pas non plus ouf. Donc là on a un bloc avec un paquet, hein. On n'a plus de relance. Est-ce qu'éventuellement on peut libérer, on peut amener un support? Bon, lui pourrait au mieux aller là et son support serait annulé. Sinon si je veux l'amener là, ouais je pourrais aller là. Ça voudrait dire faire ça. Ouais, si, c'est jouable. On va essayer de libérer. Ça nous ferait 2 GFI. Oh putain. Bon, ok. Voilà, bon bah. C'était le plan. C'était le plan, mais c'est foiré.
On a fait beaucoup de double crâne, hein. On a utilisé beaucoup de relances et lui aucune. Donc bon. Enfin, on a réussi à mettre 2-0, hein, donc ça va. Mais la question maintenant, c'est est-ce qu'il va vouloir grider en mettant des blocs ou pas? Ok, non, il dit on tente pas le diable, il va marquer. Ok, 2-1. Déjà, on est sur un match où il va y avoir de l'action, et ça, c'est cool. Donc, on a deux blessés, mais on avait un remplaçant, et lui a un blessé, ce qui fait que normalement, on doit être pareil. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Alors, par contre, malice devant, non. Bon, ça c'est pas, ce n'est pas une option. Alors, notre défense est un peu trouée, du coup. Hein, donc, on va peut-être repartir sur un truc un peu plus classique. Voilà, c'est une façon de parler. Alors, est-ce qu'il fait quelque chose de différent? Non, il garde exactement la même attaque. Ouh, c'est un peu de la merde ce truc, cet engagement là. Voilà, si on avait eu un blitz, il était bien dans la merde. Ça lui a pas servi de leçon de premier, hein. Il continue de mettre tout le monde en ligne alors qu'il pourrait poser deux zombies là pour protéger d'un blitz, ça lui ferait pas de mal non plus. Cette fois, il bloque en diagonale par contre. Pas partout. Ouh, Magix 2.0 qui est blessé. On commence à perdre beaucoup de monde, hein. Mais après, on a deux apothicaires, mais utiliser apothicaire sur des péons, ça fait chier quand même. Cela dit, on va peut-être devoir s'y résoudre à un moment. Waouh, vache. La vache, la vache, la vache. Ouais. On va utiliser un apothicaire. Histoire d'avoir au moins un remplaçant, parce que là, pff, putain, ça tombe. Hein. Ça tombe, ça tombe. D'autant que dans la coupe, si jamais il perd, mais qu'il a fait 3 blessures, ce qui du coup est le cas, enfin toutes les 3 blessures même, je crois, il gagne des points quand même, hein, dans les règles de la coupe. Donc, tout intérêt à faire des blessures, même s'il perd. Hein. Alors, le ramassage à 2+, qui passe bien sûr, et toujours très ensoleillé, ouais, toujours très ensoleillé. Ouah, le paquet pour fermer la cage, c'était peut-être pas nécessaire, hein, c'est risqué ça. Hein. Enfin, il a 4 relances, mais c'est quand même risqué. Bon, nous, notre pot de vent, on l'utilisera probablement pas, comme d'hab, on a l'habitude. Déjà beaucoup trop en sous-nombre pour utiliser un pot de vin. Enfin, pour tenter une agression. Enfin, avec un pot de vin, on pourrait tenter, hein, je dis pas le contraire, mais. C'est quand même tendu. Et ça, c'est bien joué quand même, hein, parce que, vous voyez, sa goule est très mobile par rapport à ses zombies. Mais, du coup, normalement, elle a beaucoup de mal à bouger de l'autre côté, à bouger sa cage, etc. Parce qu'elle est obligée de se les faire suivre par les zombies. Mais lui, ça fait deux fois qu'il repose des zombies et des squelettes de l'autre côté du terrain qui servent à rien, hein. ils marquent personne, ils sont juste là, ils m'empêchent pas d'avancer, enfin on s'en fout. Mais s'il a besoin de bouger, de recentrer sa cage, il a déjà des piliers qui sont là, quoi. Et ça, c'est quand même plutôt bien joué, je trouve, dans le concept. Alors après, la question c'est est-ce qu'on la joue violent ou pas. Et moi, j'ai bien envie de la jouer un peu violent. Donc on va se faire un blitz sur ce squelette qui a 7 d'armure. Parce qu'on sait jamais, ça peut passer. On va poser une défense, parce qu'il y a quand même un gros stack de force là qui peut foutre un peu la merde. On va prévoir éventuellement qu'il va ramener sa cage par là en mettant un péon là. Et on se recentre par ici. Voilà, et on va envoyer Papillote. Qui du coup n'a pas pu faire son blitz tout à l'heure et qui va s'en faire un maintenant. Oui, bah on prend le bloc. Hein. Hop. Est-ce qu'on se colle à la goule? Ouais, en fait ça vaut presque pas le coup. Après je pourrais lui faire faire des jets. Hmm.
Allez, on va se coller. On va se coller, papillote épreux après tout. Donc, il y croit, n'est-ce pas? Donc là, s'il bloque, il va être obligé de bloquer avec elle en descente. Parfait. Du coup, ça va l'empêcher de venir facilement par là. Ça l'empêche d'avancer trop facilement devant. Ok, le blitz. Très bien. Qui repousse. Ça suffit, hein. Enfin, j'imagine que ça lui suffit. Ah, il veut me faire tomber, d'accord. Pourquoi pas. Ok, bah du coup, il relance ça. Du coup, il fait quoi? Il avance avec juste un squelette. Enfin, un zombie même, c'est pire. Oula. Ouais, alors... c'est tendu. Enfin, c'est tendu pour lui, surtout. Peut-être qu'il se dit qu'il va marquer tout le monde et que du coup ça sera safe, mais c'est chaud là. Il a blitzé en plus. Ouh, c'est tendu ce move. Il n'était pas pressé, hein. Il a déjà réussi à marquer dans ma phase d'attaque. Bon, je suis en sous-nombre, hein, donc c'est vrai qu'il peut complètement me marquer comme il veut, mais... Là, il me fait faire des esquives, mais c'est pas des esquives infaisables, hein, surtout avec une relance. Hein. Et mes chevaliers ont intrépidité, je peux avoir assez facilement un dé là-dessus. Hein. Ah la vache, ça pique, hein. Bon, ok, j'ai quasiment plus un seul paysan sur le terrain, comme ça c'est fait. Ok, donc ici on se relève. Alors maintenant, là je pourrais amener un renfort avec une esquive avec relance et un GFI, on va essayer. Parfait. Et du coup tout ce que j'ai à faire c'est une esquive avec relance, un jet d'intrépidité et pousser dehors. Hop, voilà. On reste. Bon, pas de blessure. Mais ouais, c'était quand même super risqué de sa part, hein, ça. Franchement, alors là, on pourrait bloquer un dé, mais ça servirait pas à grand chose. Je peux refaire une esquive, un ramassage et me tirer avec. Il y a quoi? Il y a un zombie qui est là, une momie qui est trop loin. Il y a la goule là qui pourrait foutre un peu la merde. Alors on va se mettre là, histoire d'avoir le support là. On va faire ce bloc. Parfait, on pousse par là et on reste. Ah, ce serait cool que moi aussi je passe quelques armures, si on peut. Et là, bah, on a toujours notre lance. Hop, on tente. Du coup, faut qu'on s'éloigne par là-bas. On a la lance, on tente un GFI. On a la lance, on tente un GFI. Ok, c'est pas mal. Là, on est bien. Là, on est très très bien. Donc là, c'était le risque, hein. Il a avancé tous ses joueurs pour me double marquer. C'était pas forcément utile, en fait, parce que ça me rendait pas mes esquives plus compliquées. Mais du coup, maintenant, c'est lui qui est marqué. Après, s'il fait que des pots, forcément, hein, on va pas rester marqué longtemps. Mais... Là normalement il peut pas me rattraper, il peut me coller avec sa goule avec 2 GFI, c'est tout ce qu'il peut faire. Ah, la mise de paquet qui rate après tout ce qu'on a réussi, je suis désolé pour lui. Ok, ça passe. Et, eh bah voilà. Deuxième mise de paquet qui rate, et en plus sonné. Donc là normalement, hein, clairement, la stratégie voudrait que je stole. Je peux lui faire mal, j'ai sorti sa goule, je peux avancer sur la ligne et puis mettre du support là, blitzer sa goule, enfin taper sur son équipe, mais on va marquer. Parce que j'aime vraiment pas stoler. Bon là c'était une contre-attaque, j'ai eu un rebond assez favorable.
Mais c'était vraiment trop couillu de sa part d'avancer sa goule, hein, toute seule. Autant la dernière fois à l'arrière, protégée contre mon mec tout seul, poursuivre pour me marquer, c'était safe parce que de toute façon j'avais pas de raison de taper dessus. Autant là, avec la balle, collée à la ligne, c'était chaud. Hein. C'était vraiment chaud. Hein. Bon, par contre, on est de moins en moins sur le terrain, quoi. Ça va devenir vraiment compliqué. Donc on va se placer comme ça. Il protège toujours pas contre un blitz. Non, putain. Bon, à part le blitz, il a gagné tous les engagements, hein, donc bon, ça va pas non plus s'en plaindre. Ok, ça tape, ça tombe. Cette fois ça repousse, mais j'imagine qu'il va repousser par là, ouais. Cette fois ça tombe. Aïe. Ok, c'est un sonné, ça va. Du coup, avant le dernier bloc, il ramasse, très bien. Ça passe avec un 6. Protège, je peux faire le tour là. Protège derrière. Ou marque, oui, marque, effectivement. Ça marche aussi, c'est vrai. D'autant que je commence à avoir un peu de mal à mettre des 2D là. Hein. Même avec intrépidité, j'ai plus de support quoi. Alors, le blitz qui passe fait chier. Résiste, Chobiti, faut que tu tiennes. Ah, ouais, ça va. Ça va, ça va. Ouais, bah, l'esquive, c'est peut-être pas très très utile par contre. Ok, le pot. On va bloquer sa momie et son revenant au prochain tour. Bon. Ça va pas être simple. Donc là, même si on risque un surf, va falloir qu'on se relève. On risque un surf parce qu'il va pouvoir nous pousser là et nous sortir, ouais, ça m'emmerde un peu. Donc pas se relever tout de suite. Lui, il peut aller jusqu'où? Il peut aller genre par là. C'est pas ouf, mais bon. On va essayer d'occuper un peu ces mecs qui n'ont pas bloc. Ils ont des 2D facilement, mais ils ont pas bloc. Ici on y va. Il fera pas de passe à son zombie ou à sa momie, hein. il faut qu'il court. Ok, donc ça pourrait le faire. Ici, on va venir là. Oh, est-ce que ça sert à quelque chose? Limite, il faudrait que je vienne là plutôt. J'ai un paquet, ça me fait un peu chier. Si vous voulez. Bon, on va essayer de mettre en infériorité sa grosse bête là. Avec Papillote, on va rester un petit peu en protection. Ici, ça m'emmerde, hein, j'aimerais bien esquiver, mais on le fera à la fin. On va tenter ce blitz. Ah, fuck. Ouais, on relance ça. Ok. Voilà. Là, il va être obligé d'amener du support. Sauf s'il tape avec sa balle. Et ici, du coup, on va tenter une esquive pendant qu'on peut encore s'enfuir. Et ok, ça passe. Bon. Notre défense est pas hyper solide à l'arrière. Mais au moins, on a une défense. Là, il va avoir du mal à ramener des supports. Sauf s'il ouvre sa cage. Ok, il décide d'ouvrir sa cage. Mais il n'y a toujours qu'un dé, hein, parce que lui, il va mettre un négatif. Ah non, putain, pardon, il y a lui qui amène du support aussi, excusez-moi. Excusez-moi. Donc il y a Esquive qui va jouer. Ah bah il me repousse vers le bas, ça me va complètement. J'imagine qu'il va essayer de se barrer par là. Ah d'accord. Ah et bah il est agressif, hein. Purée. Bah voilà. Relance. Et ça repousse, ok. Il est agressif au moins dans ses attaques, hein. Deuxième fois qu'il se colle à la losse avec sa balle. À la losse, non, à la ligne de touche, pardon.
Bon, cette fois, il est un peu plus protégé quand même, mais c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. C'est tendu du string. Bon, lui tombe. Ok. Il fait barrage de son corps. Alors ça, c'est pas forcément utile, parce que si je veux esquiver, clairement, je vais partir plutôt par là que dans l'autre sens. Sac 2 d'AG, squelette, ok, très bien. Ou alors, il voulait peut-être annuler ce support-là pour pouvoir taper à 2D. Parfait, donc là, on a un support de libre, du coup. Enfin, tant qu'il le remarque pas. Bon, il va le remarquer, voilà. Et ici, avec son zombie, j'imagine qu'il va aller s'occuper de Papillote. Ok. Et donc là, avec lui, il fait rien. Alors, quelles seraient nos possibilités? Il faudrait que j'aille ici, mais c'est un peu de la merde. Il faudrait que j'arrive à ramener un support sur celui-là. Pour pouvoir taper là, et libérer un blitz plus facile comme ça. Alors, comment je pourrais faire ça? Je vais devoir faire des esquives si je veux faire ça. Ou alors je tape à un dé là. Enfin, un dé en admettant que ça proc. Allez, on va tenter. Ouais, non, par contre, là, faut que ça proc. Ok, parfait. Hop, on va poursuivre. Pas mal. Du coup, c'est toujours une esquive pas facile, hein. Qu'est-ce qui va 4 plus? Ouais, c'est pourri. C'est vraiment pourri. J'esquive par là. Et je tente un truc par ici. Ah bah c'est de la merde ça. Putain, je suis vraiment en sous-nombre, c'est le drame quoi. On va pousser par là, dans l'idée de mettre le cadavre sur le chemin. Fuck, ça on va le faire tomber. Ok, une blessure. C'est toujours bon à prendre. Ce qui veut dire que du coup on peut aller se mettre devant lui. Même pas, je me pourrais me mettre là, c'est encore mieux. Parce que du coup il sera obligé de blitzer. Sachant que si je me mets là, il suffit qu'il me repousse. Il suffit qu'il blitz comme ça et qu'il me repousse pour passer. Alors que si je me mets là, je suis relativement safe d'un surf. Mais par contre, s'il me blitz, il est obligé de me pousser là. Donc on va se mettre là. Et ici, on a un bloc à 1D sur la goule avec bloc. On va tenter, parce que si on arrive à blesser la goule, ça peut être intéressant. C'est raté. On poursuit pour aller coller un petit peu le zombie. Voilà, on s'arrête là. Les paysans vont faire leur taf de paysans et tanker tant bien que mal. Putain, cette défense de l'enfer. Donc là, il blitz, il faut qu'il me fasse tomber. S'il me fait pas tomber, c'est mort. Donc là, je tombe pas. Il choisit de pas relancer. Parfait. Ah putain, ouais, c'est vrai qu'il a 4 d'AG, hein. ça peut passer, hein. Avec esquive, ça peut complètement passer. Hein. Enfin, c'est des 3+, mais des 3+, ça se fait. Hein. Ok, il préfère reculer, très bien. Il lui reste que 3 tours, hein, donc s'il met personne avec de l'agilité en position de marquer le prochain tour, on peut pas mal s'en tirer. Donc là, il va essayer de protéger un peu peut-être sa cage. Non, il tape là. Une fois n'est pas coutume, mon pot de vin n'aura vraiment servi à rien. Je sais vraiment pas utiliser les agressions, je crois que c'est vraiment pas mon truc quoi. Et là, vu le nombre que je me suis fait sortir, j'ai absolument pas envie d'agresser quoi. Ah lui par contre il y va, ok, très très bien. Un KO. Eh bien. Eh oui, mais ça se vaut, hein. C'est pas déconnant. Hein.
Et ben vous savez quoi? On va utiliser notre apothicaire pour qu'il reste sur le terrain. Il est que sonné du coup, donc il faut un peu la merde à l'arrière toujours. Ça peut l'obliger à laisser quelqu'un pour s'occuper de lui. Ah, et le crâne, la relance, et ça repousse. Du coup, il nous repousse dans les bras de sa momie qui va se faire un plaisir de nous taper dessus. Et qui a déjà relancé. Après, le chaos sur la momie. J'allais dire 7 d'armure contre 9, ça peut être rentable, mais ouais, ça c'est très très bon ça. Ça c'est très 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 bon ça. Du coup, on va foutre la merde là. Ensuite, on pourrait par exemple taper là avec intrépidité, amener un support et blitzer la balle. Alors on va commencer par amener le support. On va faire ce jet là. Bon bah l'intrépidité on va pas la relancer. Voilà, ça me suffit. Ouh. Oh la vache. Ah, les armures tombent bien en ce match quand même pour le coup. Et là du coup on a un petit bloc à 2D si l'intrépidité passe. Nickel. Les doubles crânes. Et on repousse. Et on va repousser où? On va repousser un petit peu plus loin et on va poursuivre. J'aurais pu repousser là, mais j'ai peur qu'il me fasse un push-push un peu à la con. On va aller mettre un anti-support ici. Ici on va tenter de coller son 4 de force pour l'empêcher d'aller aider la mêlée. Voilà. Et lui, on pourrait presque le replier là ou là. Hein. Là il va faire quoi? Il va blitzer à 2D là, après il se retrouvera bien emmerdé. Il va ramener un support là, taper à 2D là. Et blitzer à 2D là, ouais, à tous les coups c'est ce qu'il va faire. Donc soit je viens annuler les supports pour prendre des 2D, pour le forcer à faire des jets à 1D. Soit je viens foutre la merde là. Ouais, on va foutre la merde là. On va jouer agressif pour le mettre vraiment la pression. Là il peut pas me blitzer de toute façon pour me surfer. Et si jamais ce mec là peut se relever au prochain tour, il peut blitzer pour surfer. Ah, ça c'était une erreur ça. Il aurait dû taper avec lui. Il avait 2 dés aussi et comme ça il pouvait complètement... Ah, je crois qu'il a pas vu qu'il lui restait 2 tours. Parce que là, qu'est-ce qu'il va faire? Ou alors il faudrait qu'il arrive à avancer cette goule, mais s'il a pas pu avancer celle-là, il pourra pas avancer celle-là. Ou son revenant. Son revenant peut avancer, hein, se faire un blitz, cela, se barrer là et courir. Enfin, à ce compte-là, la goule aurait pu faire pareil, quoi. Ok, ça repousse, donc il va garder les zones de tac, il peut pas poursuivre. Ah, il a un trou. Ah, mais faut que tu bouges avec elle. Ok. À mon avis, il a pas vu qu'il lui restait que 2 tours, parce que là, il peut plus rien faire là. Bon, il pouvait plus marquer parce qu'il avait 2 de retard, mais il pouvait au moins essayer de mettre un touchdown. Ces blocs à 1D passent quand même vraiment bien hein, sur ce match, franchement, par rapport au mien en tout cas. À part un crâne, je crois qu'il les a tous réussi. Ok, donc là on se relève. Là on se relève. Alors, on a un gros tas. Un gros tas de gens vaillants, mais quand même un peu faiblards. Une fois n'est pas coutume, on va aller tenter de blitzer la balle. Avant ça... On va neutraliser ce qu'on l'a. De toute façon, il peut plus marquer là, parce que même ce zombie-là, il est trop loin. Donc même s'il faisait une passe de l'enfer, ça marcherait pas. Les ghouls, elles sont trop loin. Donc ouais, non, il peut rien faire de toute façon. Donc, on va essayer d'éviter de se faire plus défoncer que ça. Je dis ça après lui avoir mis les mecs dans les pattes, mais on va aller mettre un renfort là pour faire un bloc à 2D. On va faire un blitz de l'amour là. Alors on va d'abord faire ce jet. On va d'abord faire ce jet là. On n'a pas bloc mais on a 2 dés direct. Assuré. Ok. Bah, pas d'XP pour Madness le simple.
Et là, on tente la petite intrépidité. Qui fait le taf. Qui fait le taf. Pas me plaindre. Et on va se recentrer par là, par exemple. Voilà. Ça me convient. Donc nos paysans vont se prendre des tatanes. Voilà. Peut-être se prendre les dernières blessures du match. Oh, t'as qu'un dé là. Faut que tu emmènes quelqu'un annulé. Bon là il s'est rendu compte qu'il avait plus moyen, hein. Il veut juste garder la balle. Il tente même pas une petite passe à XP, il veut buter mes joueurs. Ça s'entend. Ça s'entend, ça s'entend. Ok, grosse LAN qui prend peut-être le dernier bloc du match. Et un sonné. Ok. Encore un bloc à un dé au squelette là. Non, oui, il ramène un. Il ramène un petit support quand même. Et c'est les deux au sol avec cette d'armure, non il relance, et c'est de nouveau les deux au sol. Bon par contre j'avoue que les blocs qu'il a relancés il a pas eu de bol. Autant moi j'ai fait pas mal de crânes mais quand je relançais ça allait. Autant lui pour le coup c'était pas le cas. Allez on va faire les derniers blocs. Histoire d'avoir au moins l'XP. Donc celui-là c'est le moins safe. Ok on tape. Ici on peut blitzer ce truc là. 2D. Ok, hop. Bon bah, une petite victoire pour les Brights, 3-1, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Et du coup, on a des niveaux à prendre, et ça c'est cool, on a fait un 3, on garde. On gagne un petit peu de popularité. Alors, c'est Violocarius qui prend le MVP. C'est pas une blessure persistante, je crois qu'on a eu aucune blessure persistante. Hein. Et c'est toujours debout de son côté qui prend le MVP, la première blessure du match si je me gourre pas. Ou la deuxième, peut-être après le blitz, je ne sais plus. Alors, attends, c'était rentable. Hein. 7 XP sur Shobiti, waouh. Alors, regardons un peu, les jets d'armure, voilà. Les jets de blessure, bon, c'est pareil, c'est toujours un peu ambigu. Sortie. Régénération qui a pas trop fait le taf, les esquives qui ont pas super bien marché non plus, mais il a fait peu de jets hein, au final. Bon, les mises de paquets, vraiment pas de bol, la quantité de paquets que j'ai fait qui sont passés où lui s'est foiré, mais bon, globalement il a quand même fait plus de 6. Notre côté, armure et blessure, ok, sorti très bien, réveil de chaos, on a fait le note seul, mettre le paquet, on a tout réussi, nous, hein, les mises de paquets. Les réceptions c'était de la merde mais c'était très ensoleillé en plus à l'engagement donc voilà. Les esquives qui ont plutôt bien marché. L'intrépidité aussi, sachant qu'il y avait quand même déjà à 3+, pas mal déjà à 3+, ça s'est plutôt bien passé. Et les ramassages, bon on a ramassé qu'avec le mec qui avait dextérité mais c'est quand même plutôt bien passé. On a fait aussi beaucoup de 6. Beaucoup de 6 par rapport au 1. Vache. 24 contre 10. Les dés de blocage. Ouais, les dés de blocage par contre c'est le drame. 22 crânes d'hypo.
Sinon au niveau du reste c'est équilibré. Et lui, ouais, beaucoup plus de peau que de crâne. Hein. On a vu, hein, ces blocages à 1D ont quand même vraiment très très bien marché. Alors, regardons un petit peu qu'est-ce que ça donne du coup. Donc on a deux niveaux, sur Chobiti et sur Violocarius. Il me semblait qu'on en avait eu un autre. Il semblait avoir vu un niveau avec une blessure. Ah, ou c'était peut-être de son côté. Ça devait être de son côté. Alors, c'est parti pour monter le niveau de Chobiti qui nous fait un 6. Ok, bon, un 6 classique. Du coup, bah pareil, hein, on a toujours possibilité de prendre parade, agilité, esquive par exemple, hein, ou bond qui peut être pas mal aussi. Glissade contrôlée, toujours fun. Sinon, on peut aussi commencer à faire un passeur. On aurait un ramasseur, un passeur en relais et des réceptions derrière. Donc, une précision ou même une passe déjà pour commencer. Ça pourrait être intéressant. Donc, si tu passes par là, Chobiti, n'hésite pas à me dire ce qui te ferait plaisir. Et là, on a Violocarius qui prend un niveau, notre premier péon qui prend un niveau. Et il fait un 3, un jet de péon quoi. Bon bah du coup parade, lutte pourrait être intéressant pour éviter de prendre trop de jets, un petit tacle sinon pourquoi pas. Une frappe précise mais bon il ouais. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Frénésie non, dextérité bof, anticipation. Intrépidité ça pourrait être drôle sur un paysan. Ou poursuite. Poursuite ça pourrait être sympa parce que c'est vrai que les paysans sont très souvent au contact. Après, ça déjette quoi? C'est un jet de mouvement, donc du coup, c'est pas un jet d'agilité, donc ça peut être sympa. Sinon, joueur vicieux, hein, toujours, hein, avoir un péon prêt à écraser, ça peut être pas mal. Donc, Locarius, si tu passes voir ce match, je pense que tu verras ce match, n'hésite pas à me dire ce qui te ferait plaisir. Et du coup, eh ben, sur cette victoire, on va s'arrêter là. J'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve du coup très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.